Allez, c'est parti les amis. Je prends le risque de l'affronter sur alentour de Fémonville. Il m'a dit que, non, déjà qu'il m'avait battu la fois dernière à peu près, je sais plus, c'était 35-40 minutes, quelque chose comme ça. Il a fait une game comme ça. Gros Matou me l'avait envoyé pour me défoncer et m'humilier. Connaissant Gros Matou. C'est cool qu'ils aient changé les maps. Je vais lui cut son fuel. J'essaie de maintenir un front haut. C'est quoi que tu... Qu'est-ce que tu regardes, ma vie? Voilà, j'ai pu m'installer, on va voir. On va voir ce que ça donne. Il se fait des défenses un peu partout, ça va me poser problème. Waouh, ça dégomme. Hein. On a du... Amélioration de production terminée. Pour moi, il joue très très bien le coup. Allez, voilà. Ah, c'est celle-là, ok, d'accord. Panzer grenadier en attente. On a des renforts complets. Grenadier,
chasseur grenadier. Grenadier en mouvement. Bougez-vous. Plus de territoire pour la patrie. Ouais, j'avoue, elle est puissante cette troupe. Elle est très très efficace en. On va vous le prendre. Alors Lee est en contact. Pour y poster, je vais utiliser celle-ci alors. Oh putain. Ok, ça par contre c'est une très très mauvaise nouvelle. C'est une excellente mauvaise nouvelle. Tu vois un petit peu le délire ou quoi? Ça je vais avoir du mal. Il va me faire un mortier. Problème de cette map aussi. Comment je vais faire pour ça? Là, ça va être complicado. De nouvelles unités sont prêtes à se déployer. On en prend le contrôle. Prends la position. On est pareil. Vu qu'il sait que je suis là. Et voilà. Ça y est. Voilà. Il a les mortiers là-dessus. En route. Essuyez-vous les pieds. On arrive chez l'ennemi. Sécurisez ce secteur. On y va. Ok là, ah, c'est à dire que ça c'est mort. Ok. Ok, il a les grenades en plus. Les forces ennemies sécurisent notre territoire. L'ennemi tente de prendre notre secteur. Vous voulez construire ou détruire quelque chose? Yamol, bougez-vous. On y va, les gars. Ordre de patrouille reçu. L'ennemi a coupé nos lignes. Nos efforts ont été récompensés. Dégagez ! Grenadier, arrêtez ! Sécurisez ce territoire. Le bunker a été transformé en centre de soins d'urgence. Nos adversaires s'emparent d'un secteur. Ça, hein. Ah, c'est de ça dont il parlait. Possible. On aura bientôt des Panzer Shrek pour détruire les chars. Capture. On s'empare du territoire. Les forces ennemies sécurisent notre territoire. On bouge.
Faut vraiment quelque chose. Ah, la cover, putain, la cover, c'est des machines de guerre. Tous les sens du terme. Avec quoi il récupère là? Ok. Il m'en faut une là, la demi-mine. Ce genre de... Ah, je peux pas, putain. Ce genre de passage là. Qui est un peu what the fuck. Sur ma vie s'il te plaît, hop, c'est vraiment pas le moment de me faire tourner là la tête. Non, ça sert à rien. Putain, il a... Et il maîtrise, hein. Il a pas bougé. Il me retarde bien en plus. Comme ça, il est à peu près sûr que... Ah là, il y a un char qui arrive et moi je suis pas prêt. Parce que finalement j'ai très peu de choses pour lutter contre ça.
Ah, enfin. S'empare d'un secteur. L'ennemi tente de prendre notre secteur. Allez, feu, putain. J'essaie de l'amener là-bas, qu'il a pas fait de... Waouh. Non, faut que je l'amène là-bas. C'est lui qui veut m'emmener quelque part, à moi de l'emmener ailleurs. Oh putain, le teubé. L'ennemi tente de prendre notre secteur. Ah putain, c'est vrai qu'il faut passer toutes les phases de bataille. Quand tu crois pouvoir respirer, tu peux jamais respirer. Sont disponibles. On a perdu le contact avec un territoire.
forces ennemies sécurisent notre territoire. Dur, chaque fois je me rate quoi. Allez, on va attendre l'arrivée des chars. L'adversaire s'empare d'un secteur. On a ordre de gagner le front. On peut vous aider? Mouvement d'un bloc pour le combat. Pas moyen. Voilà. L'ennemi s'empare de notre territoire. Ah, oh, je l'ai oublié. Oublie. Assiste-nous. Repliez-vous. Infanterie en route.
C'est bien, il se méfie, t'as vu? Oh punaise que c'était bon. Putain, c'est chaud. Oh putain, je le sentais, tu vois. Il a pas vu, il a pas vu. Yes. Allez, il y a peut-être une mine encore ici. Il y a celle-ci là. Allez. Vas-y, vas-y. Vas-y. Yes. Alors, j'étais fatigué, mais ça va quand même, Victor, non? J'avais encore de beaux restes.
Oh là là, il s'est pris celle-là. Attends, je vais lui voler. Allez, allez. C'est moi qui vais aller défendre son super aftrack là, je vais me le récup. Voilà, je l'ai cassé. Voilà. Alors, c'est quoi la prochaine étape? Prochaine étape, c'est d'aller péter son... sa cochonceté là. Oh putain. Et on va lui voler ça. Voilà. On va y aller avec les deux brimbards là-bas, plus un bombardement. Chichi. Et j'allais lui faire le bombardement des familles. Et ça fait plaisir. Je l'ai eu ma revanche, même fatigué. Bon, c'est pas équitable, j'avoue, parce que... c'est pas équitable parce que la fois dernière... tu vois. La fois dernière, il m'a battu et malheureusement, je peux pas vous le montrer. Parce que tout simplement, je ne filmais pas et... il le sait. Tu vois, le double brumbar, y'a rien qui... il n'y a rien qui teste un double brimbar, c'est double brimbar, double canon. Mais c'est tellement la violence. Parce que, en fait, ce qui a joué en ma faveur, c'est que le commandant qu'il a choisi, je l'ai testé, moi. Tu vois, c'est... il y a des commandants encore maintenant que je découvre, que je subis. Mais le commandant qu'il a choisi, ben, je connais ses forces, mais aussi ses faiblesses. Donc là, pour le coup, ça... ça m'a été très utile. Puis comme je vous ai dit, il a fallu que je laisse passer l'orage. Puis surtout, ça demandait beaucoup de... beaucoup d'efforts. En termes de... merci Victor. Je suis pas le boss, mais pour cette game, je m'en suis... j'ai réussi à contrecarrer tes plans. Pourtant, ouais, le half-track m'a fait peur parce qu'il m'a beaucoup retardé. Les troupes, elles ont des grenades. Elles sont très efficaces au corps à corps. J'ai failli partir sur des Giver 43. Et puis après, en y réfléchissant, enfin en réfléchissant un peu mieux, je me suis dit, attends, j'avais besoin de Shrek. J'avais besoin de quelque chose de bon au corps à corps et qui puisse jouer enfin, qui puisse jouer la enfin, renvoyer la donne, ou je sais pas comment dire. Équilibrer les choses. Là, par contre, je suis fatigué quand j'arrive plus à faire mes phrases. Et du coup... les troupes que je sortais de la map là, enfin que je sortais des maisons en l'occurrence, étaient vraiment intéressantes pour ça, parce que tu les équipes pour rien, elles ont des grenades fumigènes,
En plus, j'ai eu un Q, il faut que je l'avoue, hein, Victor. J'ai eu un Q extraordinaire sur toutes les mines que tu t'es prises. Ah, enfin, tu t'es pris. Elles étaient magnifiques. Magnifiques. C'était un best of the mine. Et ça m'a étonné d'ailleurs. Si t'avais fait un démineur au début, je crois. Il me semble que t'étais parti pour faire un démineur. Après, je confonds peut-être avec la game précédente. Où j'ai joué en ligne, où le mec a fait rapidement un démineur. Avec moi, Victor, t'es obligé de faire un démineur. Si tu fais pas de démineur, tu prends un risque énorme. Du coup, c'est vraiment ça qui m'a sauvé, quoi. C'est que bah, les mines que j'avais placées du début, bah, elles y sont restées, quoi. Et toi, t'as posé des mines, mais moi, j'avais fait un démineur en revanche, tu vois. Et je pense que c'est là l'erreur dans ta game, c'est ça. Après, t'avais largement le dessus parce que t'avais sorti les chars rapidement. Ouais, tu vois, là je traduis parce qu'il y en a qui ne verront pas. Le message, il dit non, pas du tout, je suis teubé. Alors non, t'es pas teubé, mais j'avoue que parfois dans les games, on est pris. En plus, toi, ça te demandait pas mal de munitions d'équiper toutes tes troupes. Donc voilà. Après, sur une map comme ça, j'avoue, t'as pas fait le crevard. Et c'est aussi le défaut de ton commandant, et c'est ça que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que ton commandant, je sais qu'on a tendance à vouloir faire un mortier classique. Parce qu'on se dit, ouais, chouette, j'ai un mortier direct. Et en fait, c'est pas forcément la bonne solution. Parce que sur une map comme ça, par exemple, si tu m'avais fait une position de mortier fixe, comme t'as fait le Beaufort, c'était bien en soi. Parce que ça m'a bloqué pendant un moment. Mais ça n'a bloqué que le point de fuel. Tu vois, je pouvais contourner. Alors que si t'avais posé un mortier à la place de ton Beaufort, et que t'avais simplement joué plutôt les Vickers, bah, tu m'aurais fait beaucoup plus mal. Parce que le mortier aurait tapé un peu partout, j'aurais pas pu y accéder parce que tu peux le planquer vraiment dans des endroits où tu dis oh putain, où je l'aurais eu tardivement avec mes Brumbar et encore si j'étais arrivé jusque-là. Et donc je pense que ça t'a un peu pénalisé, d'autant que le Beaufort t'a pris du manpo. Et après, il y a eu de la maladresse avec certains chars et moi, un gros gros coup de cul, je le répète encore, hein, parce que si tu te prends pas toutes mes mines, t'as le dessus avec les chars et tout, et c'est compliqué, quoi. Donc, je suis content parce que toutes mes fourberies ont plutôt bien fonctionné. Plusieurs fois, j'ai failli buter ce half-track, mais quand tu lui mets la vitesse, l'accélération en mode Sangoku, la téléportation instantanée, il file à une vitesse, donc c'est bien, il est. T'as du mal à le finir, quoi, tu vois. Tu peux le taper un peu, mais t'as du mal à le finir. Donc là, c'est bien. J'avoue que j'ai eu du bol. J'ai eu du bol notamment parce que quand t'as activé la réparation en mode désespéré, j'avais le Shrek juste à côté, et là, j'ai pu buter rapidement tes premiers chars. En fait, ton plan était presque parfait. Comme j'ai dit, et je le répète, il manquait les démineurs. Ça aurait changé la donne. Voilà. Bon, en tout cas, Victor, je te promets, je te laisse pas en rade là-dessus. Je te proposerai une prochaine game ultérieurement. Et du coup, tu pourras me battre à ton tour. Mais je le redis, parce que la fois dernière, je te l'avais dit à toi. Mais bon, vu qu'on était qu'avec Gros Matou, heureusement, Gros Matou était en vocal avec nous. Il peut témoigner. Ben, il témoignera jamais dans ma faveur en disant que je filme pas pour de vrai, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que. Je t'avais dit la fois dernière que bah, la partie, je l'avais perdue, mais elle était très plaisante à jouer parce que, bah, tu vois, là, comme cette game-là, je pense qu'on a un niveau similaire, enfin, sans t'offenser toi, hein, et je pense que toi et moi, on a un niveau qui se ressemble, parce que là encore, ça se joue à des détails, tu vois, des détails, des erreurs, comme le démineur, ou voilà, quelques chars envoyés un peu au casse-pipe, mais des erreurs qui sont minimes, quoi, tu vois. Si tu passes à travers ça, je suis cuit quoi. Tu me bousilles. Donc bon, en tout cas, voilà, je te remercie Victor. Et puis quand tu veux et quand je peux avant mon déménagement, il me reste deux semaines maintenant. Ouais, dans 2 semaines précisément d'ailleurs, j'emménage. Donc voilà. D'ici les 2 semaines, tu n'hésites pas et on se refait ça. Et je filmerai cette fois comme j'ai fait là pour que tu puisses avoir ta revanche en image. Enfin, ta revanche. Là, on a fait 1-1, du coup, ce sera la belle, on verra bien. Allez, je t'embrasse, ciao, bye bye, la bise, les kikis, je vais aller me coucher. À bientôt.